On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc comment réussir ses paris hippiques. Vidéo numéro 6, multi en 5, 6 jeux à décrypter. La différence du multi en 4, il n'y a pas le jeu avec quadruple plus X. Voilà, donc c'est des jeux qu'on retrouve pratiquement tous les mêmes avec des sommes à peu près similaires. La différence qui est entre le multi 4 et le multi 5, c'est que le multi 5 avec notre bonne base, on peut le multiplier. La différence du multi en 4 qu'on peut toucher qu'une seule fois. Et en général, le rapport du multi 5 fait 5 fois moins que le multi en 4. Par exemple, le multi en 4, il fait 2000 euros. Vous divisez en 5, ça vous fait ces 400 euros. Voilà, donc c'est parti les amis. Un petit pouce bleu sur les vidéos, bien évidemment. J'espère que vous avez la pêche. Donc on démarre. Premier jeu très facile, 5 chevaux, multi en 5, à plat, 3 euros, unitaire. Donc un jeu qu'on retrouve très souvent. J'ouvre la fenêtre, je balance 3 euros dans un petit quintet, date de naissance, pourquoi pas, pour se faire plaisir. Voilà. Deuxième jeu, donc le fameux jeu, un seul X. 4 de base, 5 derrière, du 15 euros. Donc vous savez ce que j'en pense donc du jeu avec un simple X. Au pourcentage de réussite, en général, il est très faible. Donc pour toucher son multi en 5, il nous faut bien sûr 3 de notre base et 1 de derrière pour toucher une seule fois. Mais si on a toute la base, si on en met 5 derrière, on le touche autant de fois. Tout simplement parce qu'on a 1, 2, 3, 4 et 5 sur un ticket, et 6 sur l'autre, et 7 sur l'autre, et 8 et 9, etc. Si bien sûr les 4 de la base forment l'arrivée du multi. Voilà. Le jeu suivant, donc 3 de base, 2 X, donc déjà un petit peu meilleur que ces jeux-là. Voilà, forcément, 30 euros, donc 3 de base, double X, 5 derrière. Si on en rajoute un, c'est 45. Si on en rajoute encore un, c'est 63 et 84, etc. etc. Pour toucher donc le multi en 5, il nous faut bien évidemment 2 de notre base, minimum, parce qu'on a double X, et 2 de derrière, pour le toucher une fois. Si on a les 3 de la base, je sais que pour 4, c'est 3 fois. Pour 5, normalement, c'est 4 fois. Ce jeu-là, c'est plafonné normalement. Ce multi en 5, double X, c'est plafonné. Le rapport, c'est 4 fois. Donc, ça peut être sympa. C'est un jeu que j'ai fait assez souvent à mes débuts. Maintenant, vous pouvez le faire, bien sûr. Les multis peuvent être faits en multi 50% ou multi 25%. Donc c'est très bien. Jeu suivant, donc nous retrouvons donc le triple X. Voilà, 2 de base, 5 derrière, 30 euros. Si on en rajoute un tout de suite, on passe à 60. Donc ça va très vite. Mais l'avantage, c'est qu'on a 3X. Donc la différence qu'il y a entre ce jeu là et ce jeu là, on peut avoir qu'une seule base dans notre jeu et les 3 de derrière qui forment le multi, et on touche une fois. Si on a les 2 de la base et qu'on en met au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10, plafonné c'est sûr, c'est 4 fois. Donc c'est un jeu qui peut être bien, même si c'est un tiercé un peu ouvert. On peut avoir une seule base dans les 4, mais bon, il faut que derrière nous ayons le reste du multi. Et on finit donc avec le fameux jeu quadruple X. Voilà, 1 de base, 5 derrière, 15 euros. On en rajoute un, c'est 45. Donc vous avez, plus on met d'X, plus on rajoute un cheval, plus ça coûte cher. L'avantage de ce jeu, c'est que si la base est au bagne, on touche au moins une fois le multi en 5. Mais bien évidemment, il faut que nos chevaux soient l'arrivée. Hein. Voilà. Si elle 7, vous ne touchez rien. Si vous avez la base qui est bonne et vos 3 chevaux derrière, vous le décuplez. Et on finit avec le jeu, donc j'appelle toujours le multi, donc qui est à plat. Donc c'est le même qu'ici. Bon, ça c'est le jeu de base, 3 euros. Donc 6 chevaux, multi en 5, 18 balles.
Donc ça fait déjà 6 fois le prix. Mais ça c'est bien, c'est que si on n'a ni base, ni certitude, ni rien, on le fait à plat et on peut toucher notre multi en 5. Et si on, met encore un cheval supplémentaire, donc je fais défiler ici les sommes, 7 chevaux, tout de suite on passe à 63. Alors 7 chevaux à plat multi en 5, 63 euros, ça commence à faire cher. Mais après on peut toujours diversifier, multi 50%, multi 25%. Voilà les amis. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Il y a un nouveau sondage qui est dans la communauté de la chaîne, donc à la demande d'un abonné. Donc vous allez voir, vous y répondez et vous laissez votre commentaire. On se retrouve demain pour le multi en 6 avec un autre jeu supplémentaire, le jeu à 5 croix. Et oui, plus on va dans les multis, plus il y a des croix. Je vous souhaite une excellente semaine qui arrive. Bon courage les amis. Ciao !